Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Voilà, nous sommes dans le cadre de votre émission Entretien. Et pour cette édition, nous allons principalement parler de vos messages. Voilà, l'homme de Dieu, le révérend prophète Fejenay Kane va donc spécialement répondre à vos messages que nous avons pu répertorier. Voilà, il y en a qui sont signés, dont certains se reconnaîtront, il y en a qui ne sont pas signés. Mais sinon, nous répondrons donc à toutes vos préoccupations. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Voilà, il faut dire que le plaisir, il est partagé. Voilà, et comme je l'annonçais déjà à l'entame de mes propos pour cette édition de Cœur de la Vérité, vous avez accepté répondre aux questions des téléspectateurs. Bien sûr. Voilà, et sans plus tarder, nous allons donc commencer par ce SMS qui nous vient de Bafoussam. Voilà, il s'agit du frère Gabé qui demande si Jésus n'est pas le dernier prophète. Et sinon, citer quelques noms des prophètes dans la Bible. Ok, d'accord. Je pense que Jésus-Christ, dans le sens de la responsabilité de sa mission, est un prophète. Mais Jésus n'est pas un prophète. L'Apocalypse appelle le Père des esprits des prophètes. Donc, tous les prophètes parlent en son nom. Je parle des prophètes que lui, il a envoyés. Donc, dans un sens propre, pour parler comme un enfant, Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il est le père des esprits des prophètes. Mais dans le rôle salvateur qu'il a eu à jouer en rapport avec l'humanité, il a été un prophète. Mais il est le père des esprits des prophètes. Certainement, homme de Dieu, ce téléspectateur pose la question parce qu'il y en a qui disent qu'en dehors de l'Ancien Testament, il n'y a plus d'autres prophètes. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de prophètes, un peu comme vous êtes là, il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Non, je pense que la personne n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne. Parce que quand vous lisez dans les Saintes Écritures, la Bible parle des dons de l'Esprit, des dons ministériels. Lisez Éphésiens chapitre 4, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12 et le chapitre 14, vous aurez toutes les informations là-dessus. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible parle des cinq ministères dans l'Église. Et l'apôtre Paul a dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres et secondement les prophètes. Donc, c'est même pas quelque chose qu'on a discuté sur ça. D'accord, voilà. Et c'est toujours le frère Gabé de Bafoussam qui pose des questions à propos de l'huile de faveur. Il dit, vous avez dit dans vos enseignements que le Seigneur Jésus ne guérissait avec rien d'autre. Mais comment est-ce que vous parlez de l'huile de faveur? Non, c'est qu'il n'a pas bien suivi mes enseignements. Parce que Jésus a guéri en employant plusieurs méthodes. Et lorsqu'on parle de l'huile, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'huile a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc même le Seigneur Jésus-Christ avait son huile de faveur dans toutes les missions. Comme vous lisez par exemple dans le livre de Marc, chapitre 6, la Bible dit, « Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur servent de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » Donc, et quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'autres passages où le Seigneur Jésus-Christ, où la Bible évoque que les apôtres de Jésus-Christ avaient, ils utilisaient l'huile lorsqu'ils partaient en mission. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé l'huile de faveur. D'accord, mais homme de Dieu, on se souvient que la Bible parle plutôt de l'huile d'onction. Mais pourquoi vous avez mis le mot faveur? Oui, mais tout ça, la base, c'est l'huile. Parce que nous, on n'a pas voulu entrer dans la vulgarité. Ça veut dire que on parle trop d'huile d'onction, d'huile d'onction, d'huile d'onction, importée d'Israël, l'huile d'onction. Donc, on a voulu appeler ça l'huile de faveur. Ça veut dire que, en réalité, l'huile d'onction, c'est le symbole de la faveur de Dieu. C'est ça la réalité. Si vous êtes malade, il vous faut la faveur de Dieu. Et oindre un malade d'huile, c'est appeler la faveur de Dieu dans la vie de la personne. L'huile de faveur représente juste l'huile d'onction consacrée à Jésus, représente simplement l'appel ou l'invocation de la faveur de Dieu dans une situation. Voilà pourquoi nous, on a appelé directement l'huile de faveur. Donc nous définissons le réel sens de l'huile d'onction. Et puis nous sortons un peu de l'amalgame. Il y a ce téléspectateur qui demande également que est-ce que ce n'est pas une forme d'idolâtrie aujourd'hui avec cette huile de faveur? Non, mais si autant c'était l'idolâtrie, Jésus n'allait pas demander à ses disciples
d'aller le faire. Les gens doivent comprendre que non, la Bible dit que le Fils voit faire ce qu'il le Fils fait ce qu'il voit faire au Père. Donc nous, on a vu ce qui est écrit, on a vu ce que Jésus a fait, et Jésus a dit que si quelqu'un croit en moi, il fera ce que j'ai fait, et il fera même des œuvres plus grandes. Donc on fait seulement comme il a fait. Nous, on n'a pas la pensée de l'idolâtrie quand on fait ça. D'accord. Homme de Dieu, il y a aussi ce téléspectateur, en fait, qui dit qu'il utilise l'huile. Cette huile de faveur, et il n'y a pas de solution. Pourquoi? Pourtant, on se souvient qu'il y a de nombreux témoignages en ce qui concerne l'huile. Mais comment se fait-il que certains utilisent cette huile, qu'il y a des témoignages et d'autres non? Bon, là, je crois que ça dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, la personne, est-ce qu'elle a foi? Parce que j'ai dit que la guérison divine, même Jésus n'a pas guéri tous les malades dans sa génération. Sinon, il n'y aurait plus de lépreux ou bien... Mais il y en a eu. Mais quand il arrive dans la piscine, c'est de Bethesda. Il arrive, il trouve beaucoup de malades guéris, un seul. Le reste n'est pas guéri. Donc, il faut comprendre que la guérison divine ne vient pas éradiquer la maladie de la surface de la terre ou d'entre les hommes. Mais elle vient pour prouver que Dieu est vrai, Dieu peut guérir. Mais la guérison et la santé parfaite seront dans la Nouvelle Jérusalem où il n'y aura pas d'infirmité. Il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, dans la guérison divine, il y a des principes. Il y a le principe du temps. Le principe du temps, c'est est-ce que le temps de votre miracle est arrivé? Dieu travaille avec le temps. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le maître des temps, des saisons et des circonstances. Vous regardez par exemple, Dieu promet l'enfant à Abraham. Mais l'enfant, s'il ne vient pas après, qu'après 24 ans. Pourquoi? Pourquoi Abraham, sa femme, n'a pas accouché l'année qui suivait? Parce que Dieu seul connaît les raisons du principe du temps. Donc, quand votre temps pour la guérison n'est pas venu, vous ne pouvez pas. Par exemple, Job a été malade. Pourquoi il n'a pas guéri le lendemain? Il a mis un temps indéterminé, indéfini pour avoir la guérison. Dieu avait mis un temps pour son miracle. Donc, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Je peux utiliser l'huile de faveur, Dieu me guérit. Vous utilisez, Dieu ne vous guérit pas parce que vous êtes dans une école avec Dieu. Votre épreuve n'est pas encore accomplie. Le jour où votre épreuve sera accomplie, peut-être vous n'aurez même pas besoin de l'huile de faveur. Maintenant, il y a des cas simples. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une école. Il n'y a pas une détermination du temps selon Dieu dans votre cas. Dans ce cas-là, il faut la foi. Si vous utilisez l'huile de faveur, vous avez la foi, vous obtiendrez le miracle. Si vous n'avez pas la foi, vous n'obtiendrez pas le miracle. Maintenant, l'huile de faveur c'est ce qu'on appelle, ça fait partie du ministère de Franche. Ça veut dire le ministère des objets. Dans le temps, Dieu a toujours utilisé des objets pour accomplir certains de ses desseins. Voilà pourquoi Jésus utilisait l'huile de faveur ou l'huile d'onction, si vous voulez. Et puis, il utilisait parfois sa salive, il utilisait parfois la boue et beaucoup d'autres choses. Donc, je crois que la personne doit se poser la question, est-ce que ma maladie, c'est une école? Ou alors, est-ce que ma maladie n'est pas la conséquence d'un péché? Parce que si vous avez péché et que Dieu est en train de vous châtier, votre guérison n'est pas dans l'huile de faveur, mais dans une prière de repentance. Mais si vous êtes sujet à la sorcellerie, l'huile de faveur vous libérera au nom de Jésus. Donc voilà pourquoi on utilisait l'huile de faveur. La Bible dit qu'ils utilisaient, ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Pourquoi ils n'ont pas prié directement pour... Donc il faut comprendre que l'huile d'onction intervient parfois dans les cas extrêmes, les cas difficiles, les cas urgents où une personne veut une intervention rapide de la part du Seigneur, rapide et efficace. Oui, homme de Dieu, on se souvient justement à ce qui concerne de l'acquisition d'huile. Certaines personnes se sont déjà faites arnaquer, et même aussi au niveau des réceptions avec vous, parce qu'il y en a qui se plaignent, qui n'arrivent pas à être reçus. Donc, il y en a qui leur ont proposé, qui ont demandé l'argent pour être reçu ou pour acquérir de l'huile de faveur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Non, mais je pense que nous, on ne demande pas l'argent pour être reçu. Là, on ne paye pas pour me recevoir. Ceux qui ont eu la grâce d'être reçus par moi, je pense qu'ils ont vu beaucoup apporter des offrandes que j'ai refusées. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut venir chez moi en pleurant, qu'il ne mange pas chez lui et il sort l'offrande, mais donc j'accepte. Je prendrai, mais je ressèmerai aussi dans sa vie. Et l'huile de faveur n'est pas disponible sur Internet, ça veut dire sur Facebook. Non, l'huile de faveur, c'est pendant nos campagnes, nos réunions, ou bien alors pendant les réunions d'église, si vous pouvez avoir l'huile de faveur. Mais si quelqu'un vous présente l'huile de faveur, et puis j'ai dit que vous discutez sur Internet avec quelqu'un qui s'appelle le prophète Kanou Ferdinand, il vous demande l'argent en ligne. Les gens doivent connaître leur berger.
Moi, je dois m'asseoir sur le nez pour dire, OK, donner. Quand les gens vont commencer à s'occuper, presque jamais sur place, ils doivent comprendre que je ne peux pas venir m'asseoir pour dire à quelqu'un, envoyez-moi 10 000, envoyez 15 000, envoyez-moi 100 000, 300 000, 500 000. Je ne peux pas faire ça. Donc, ce n'est pas moi, frère. Nous, on n'a pas eu cette habitude en Christ. Oui, homme de Dieu, il y a aussi ce message. Je vais rappeler aux téléspectateurs de toujours signer leur message et de donner aussi leur lieu de localisation pour nous permettre de mieux répondre à vos questions. Il y a donc cet autre message qui parle notamment du fait que vous soyez devenu instable. Donc, il pense que vous recevez plus les gens maintenant qui viennent de l'étranger. Oui, c'est normal. Si quelqu'un vient de l'étranger, on doit le recevoir parce qu'il vient nous trouver chez nous. La Bible dit de bien recevoir l'étranger. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau, quelqu'un aussi peut se faire passer pour quelqu'un qui vient de l'étranger pour être reçu par vous? Oui, mais s'il dit qu'il vient de l'étranger et il ne vient pas de l'étranger, je saurais. D'accord. Homme de Dieu, nous allons passer à une autre question. La personne demande comment faire pour avoir la bénédiction de Jésus. Il faut pratiquer sa parole. Il faut pratiquer juste sa parole. Lisez la Bible, mettez-la en pratique. Jésus a dit déjà, vous êtes heureux à cause de ces paroles que je vous ai annoncées. Imaginez-vous si vous les mettez en pratique. Mais il y a aussi il y a le frère Djamo qui dit, comment savoir qu'on est appelé au ministère? Je pense que j'ai l'habitude de dire que si Dieu vous appelle au ministère, il faut qu'il vous parle. Parce que c'est une affaire sérieuse, c'est une affaire qui englobe toute votre vie, où votre vie est sacrifiée. Donc je ne crois pas qu'il faut un autre chemin. Parce que la Bible dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dans Esaïe 8, donc, ou Esaïe chapitre 6. Donc qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, mais voici Seigneur. Donc, c'est comme ça. Si vous voulez savoir, ce n'est pas une question, ce n'est pas une mathématique. Seigneur, tu m'appelles à ton service, parle-moi, pourquoi? Quand Dieu m'appelle, je lui dis, tu m'appelles, pourquoi? La même nuit, le Seigneur Jésus m'a apparu en vision. Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Lève les yeux et regarde, beaucoup s'engagent à me servir aujourd'hui à cause de leur ventre. Pour cela, ils retiennent la vérité captive. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu marcheras devant ma face et tu craindras mon nom. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Donc aujourd'hui, je sers Jésus avec assurance parce que j'ai un mandat. Homme de Dieu, est-ce que votre appel était conditionné? Parce qu'il y a justement le frère Djamo qui demande, quand, lorsque vous êtes appelé, est-ce qu'il y a une condition à cela? Non, moi j'ai posé la condition. J'ai dit à Dieu de me donner l'argent. Je ne veux pas être un pasteur mendiant parce que la mission qu'il me donne, c'est d'aller dire la vérité aux gens, sans avoir peur de Dieu. Et si je viens dire la vérité et que c'est toi qui me nourris ou c'est toi qui paye ma maison, c'est que je suis fini. Ou alors je veux faire des compromis pour pouvoir quand même manger. Donc je dis à Dieu de me donner l'autonomie financière parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin et Dieu m'a exaucé. Et il y a aussi cet autre SMS, il s'agit d'une femme, elle n'a pas signé, voilà, qui dit qu'elle apprécie beaucoup ce que vous faites, mais cependant, elle a une préoccupation, elle a déjà 37 ans, elle a deux enfants, et sa préoccupation, est-ce qu'elle appelle au mariage? Bon, je ne peux pas dire si elle appelle au mariage, comme je ne la connais pas, mais je veux juste lui dire d'espérer, et qu'elle aille sur le principe de la foi. Lorsque vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue, et vous verrez la chose s'accomplir, le principe de la foi, dans son cas. Mais elle doit savoir qu'il y a eu... J'ai vu des femmes qui ont 6 enfants, mais qui sont mariées. Donc c'est possible. Si ça a été possible pour celle-là, pour vous aussi, c'est possible. D'accord. Et il y a Bina Joël de Bafoussam qui dit, vous avez également dit dans vos enseignements qu'un prophète voyait le futur. Alors on a prophétisé sur lui en 2014. Mais depuis lors, sa situation ne fait que s'empirer. On a dit finir la pauvreté, mais de plus en plus, il croule sur le poids des dettes. Bon, il faut d'abord voir l'origine de la prophétie. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Si c'est Dieu qui a parlé, il faut qu'il soit patient. Donc, je crois qu'il doit retourner voir le prophète pour lui demander que, est-ce que c'était Dieu vrai, vrai? Si le prophète le rassure, d'accord, qu'il attende. Parce que généralement, quand Dieu vous promet, il vous montre le point d'arrivée, mais ne vous montre pas le chemin par lequel vous allez passer. Vous voyez, Dieu dit à Joseph, tu seras grand, mais après, tout sombre dans la vie de Joseph. Moi, Dieu m'a dit, quand le temps sera accompli, tu te lèveras, tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Voici le signe par lequel tu reconnaîtras que moi, l'Éternel, ton Dieu, je veillerai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour l'exécuter. Après ça, pam, j'ai sombré dans la misère, la pauvreté telle que je n'en avais jamais vu. Pendant 7 ans,
7 ans de combat, de galère. Le diable me demandait, est-ce que ce que Dieu a dit là est vrai? Tu es sûr que c'est Dieu? Mais à la fin, notre Dieu est vivant. Dans Jean 19, 22, la Bible dit apocrypte, au Pilatos, au Gégrapha, Gégrapha. Et puis là, lui répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, je ne peux pas l'effacer. Et homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas avec tout le monde? Ça veut dire quand Dieu vous promet automatiquement, par la suite, il y a la chute, avant que cette promesse ne s'accomplisse? Oui, dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous regardez les grandes lignes prophétiques de la Bible, c'est ça. Quand Dieu vous promet, préparez vos problèmes. Hein? Parce que la Bible dit que quand les ennemis de David ont appris qu'il a été fait roi, ils se sont liés en bataille contre lui. Donc, quand Dieu te donne une prophétie, Satan apprend que Dieu t'a envoyé la prophétie, Satan s'alignera en bataille contre toi. Donc, c'est comme ça. D'accord. Homme de Dieu, il y a aussi cet autre SMS. La personne pense que dans vos programmes, vous demandez un peu trop d'argent, il y a un peu trop d'offrandes. Et quand on dit trop d'offrandes, je ne comprends pas. Elle n'a pas précisé. Certainement, c'est vrai que la personne n'a pas vraiment précisé dans le message. Mais la personne parle d'argent, certainement, dans vos programmes, parle de payer aussi. Peut-être les programmes sont payants à ce niveau. Non, je ne pense pas que c'est payant. Et si la personne dit qu'on demande trop d'offrandes, à Réma, nous, on croit en trois offrandes. Ça veut dire que nous avons la dîme, nous avons l'offrande d'alliance et nous avons l'offrande d'action de grâce. Voilà les trois offrandes. Tous nos cultes, c'est ce que nous, on connaît. Donc, si la personne voit qu'on demande trop d'offrandes, l'offrande, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir à l'église, vous dites à Dieu que moi, je ne veux pas te donner mon argent. Vous ne donnez pas. On ne va pas faire la police avec le pistolet que donnez. La personne ne doit même pas se plaindre. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Donc, elle vient seulement, elle ne donne rien. Elle fait son culte, elle rentre. Elle reçoit sa guérison, son miracle, elle rentre. Celui qui voit qu'il peut donner à Dieu, il donne. Celui qui voit qu'il ne peut pas, il ne donne pas. C'est comme ça. La foi, c'est libre. Il y a la sœur Mireille qui pose la question au niveau du port du pantalon et des boucles d'oreilles, du maquillage, du rouge à lèvres. Est-il interdit pour une chrétienne? Est-ce que ces choses sont interdites? Bon, vous savez, ça c'est les polémiques de notre génération. L'apôtre Jean a dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses et que ces choses-là, s'il fallait écrire ça, le monde entier ne supporterait pas le nombre de livres. Et une autre chose, c'est que Jésus ne s'est jamais intéressé à ça. Ça, c'est les problèmes humains. Jésus n'avait jamais enseigné sur le foulard. Mais c'est les apôtres, eux, on est des hommes, ils sont venus enseigner sur le foulard. Oui, Jésus n'avait jamais touché le domaine habillement ou quoi. Donc, nous, on fait un peu comme Jésus a fait. Que chacun soit libre. Ce que nous connaissons, c'est que dans l'habillement chrétien, il faut éviter l'impudicité. Mais les gens doivent nous croire. S'il y avait un passage où la Bible condamner le pantalon, c'est qu'on ne parlerait pas de ça. C'est qu'on a banni le pantalon. Ou bien des rouges à lèvres, ou bien de quoi. On aurait enlevé toutes ces choses-là. Mais nous ne voulons pas faire de la falsification biblique ou doctrinale. C'est-à-dire que prendre des passages qui n'ont rien à voir avec une réalité d'aujourd'hui et puis copier-coller dans la réalité, tordre un peu le sens pour justifier notre position. Mais si littéralement, la Bible interdit le pantalon ou les rouges à lèvres ou bien les mèches, on le ferait. Je vais vous donner un exemple. Les gens disent par exemple que les mèches, c'est artificiel. Nous, on n'a pas de problème. Et que les rouges à lèvres, on fait ça dans la mer, les habits, parce que c'est homosexuel. Maintenant, je demande que les parfums, ça vient d'où? Je crois que nous, on charme les gens avec les parfums. Le parfum, c'est quelque chose de maléfique. Mais Jésus a dit, quand tu jeûnes, lave-toi. Parfume ton corps, même les cheveux, tu mets le parfum. Maintenant, si je viens, vous voyez, tu mets le parfum sur mes cheveux, vous allez dire que je fais encore quoi comme ça. Oh, Jésus nous a enseigné de mettre le parfum sur nous. C'est pas comme quelqu'un dit que oh, le lait de toilette, tout ça, c'est artificiel, c'est pour entretenir le corps, comme le parfum. La Bible a parlé du parfum, on ne sait pas s'il y a autre chose encore, en rapport avec la beauté corporelle que Jésus a évoquée, mais qui n'a pas été écrite selon le principe de l'apôtre Jean. Donc, si la Bible avait dit de ne pas faire, on n'allait pas faire. Mais c'est des sujets où chacun juge d'après les grandes lignes que la parole de Dieu a données. S'habiller avec modération en fuyant l'immoralité sexuelle.
Et que pouvez-vous dire, à une personne qui se retrouve dans une église, peut-être où on était le pantalon, le foulard, le rouge et... Oui, je vais dire à la personne de se soumettre. Parce que si tu es dans un milieu, respecte les principes de ce milieu. Parce qu'une communauté peut décider d'imposer une règle dans l'église. Ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes en accord. Parce que la Bible parle du principe de l'accord. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être accordées? Donc Dieu respecte, c'est un principe que Dieu connaît. Ouais, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres décident que chacun vend ses affaires et puis vient donner l'argent à l'église. Ce n'était pas une loi divine. Bon, maintenant, quelqu'un ne peut pas nous dire que, oh, ceci. Pourquoi nous ne vendons pas nos affaires? Pourquoi les gens parlent, ils ont les salaires, on n'a jamais vu, mais les dîmes, ils ne payent pas. Les offrandes ne donnent pas. Pour l'être biblique, apportez ce que vous avez vendu à l'église. Là où c'est que vous avez un souci vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu dans la justice et la vérité. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont les deux, les seuls qui ont parlé sur l'habillement de la femme. Mais Pierre a dit que la femme ne devrait pas avoir autorité sur l'homme. Elle ne doit pas parler à l'église. Mais il a dit aussi quelque chose, qu'elle ne doit pas se tresser. Bon, maintenant, vous me parlez que les femmes, les pantalons, vous avez les jolies tresses sur la tête. Moi, je ne peux pas répondre. Mais si je vois que vous n'avez pas les tresses sur la tête, vous ne vous tressez jamais. Vous n'avez jamais rencontré une coiffeuse. Je comprendrai que vous avez le souci de pratiquer littéralement la parole de Dieu sans vous soucier de la saison ou de la dispensation. Ou alors, si vous venez me parler et que vous, à l'église, même quand la toux vient vous caler ça, vous n'éternuez même pas, vous ne touchez pas, je comprendrai ce qui est en train de se passer. Mais si vous avez les tresses, ou alors si vous vendez votre terrain, vous vendez les habits, vous ne nous apportez pas l'argent à l'église, là, il y a un problème. Ce que vous demandez aux autres de faire, ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Donc, les gens ne doivent pas choisir que, bon, on ne met pas le rouge à lèvres, d'accord, je ne mets pas le rouge à lèvres, moi, je ne porte pas le pantalon. Tu prends même trois choses qui t'arrangent. Mais les autres, tu désobéis quand même. Tu vends tes choses, tu n'apportes pas à l'église. Pourquoi les gens n'apportent pas l'argent de tout ce qu'ils vendent à l'église? Posez la question. Les gens trouveront une signification à leur action. Ils vont vous trouver une explication. Donc, et j'ai dit, c'est l'hypocrisie. Là où tu es arrangé, tu as ton compte, tu justifies. Là où tu vas, tu peux quand même pratiquer, tu condamnes celui qui ne pratique pas. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on a appris Christ, qu'on nous laisse servir Jésus. Mais homme de Dieu, en ce qui concerne cette question, est-ce que c'est au niveau des brebis? Je pense que c'est au niveau des bergers. C'est eux qui imposent pantalon, ne pas porter pantalon, ne pas porter... Ne pas mettre. Non, là, tout est mêlé. Tout ça, c'est l'hypocrisie. D'accord. Homme de Dieu, il y a ce message du frère Roland de Yaoundé qui dit comment faire pour prier malgré le découragement du diable chaque fois. Donc, à chaque fois qu'il veut prier, il y a le découragement, il se sent fatigué. Il faut aller en retraite d'abord pour dire à Dieu de vous sauver du découragement. Vous savez qu'il y a les MST qu'on trouve beaucoup dans l'église aujourd'hui. Et parmi ces maladies, le découragement joue un peu le rôle du VIH spirituel. Parce que quand vous regardez l'esprit de découragement, quand vous êtes découragé, vous ne pouvez rien faire. Donc quand le diable veut vous détruire, il vous lance un esprit de découragement. Donc le seul remède contre le découragement, c'est d'aller en prière, en retraite, dans un endroit retiré, où vous n'allez faire que lire votre Bible, prier, demander à Dieu de vous sortir de ce découragement, d'adorer Dieu, chanter des louanges, des cantiques, et puis vous rentrez chez vous, vous serez différent. Et vous prenez la décision. À minuit, je me lève pour prier, à telle heure, je me lève pour prier, vous mettez votre réveil, vous vous disciplinez. Le seul remède contre le découragement, c'est la discipline et le travail, l'engagement d'un cœur qui veut le changement. D'accord. Par contre, il y a la sœur Viviane qui dit, elle lit la Bible, elle ne comprend pas, mais pourtant elle prie. Ça dit qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Mais si vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Donc elle doit demander à Dieu de la baptiser dans le Saint-Esprit directement et puis elle comprendra l'écriture. Voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel. Voilà, vous qui nous regardez à la maison et qui avez également des messages, vous pouvez également nous joindre au numéro plus 237 660 50 72 56. C'est le numéro qui s'affiche sur votre écran. Voilà, vous nous envoyez tout simplement les SMS et nous pouvons également recevoir vos messages sur WhatsApp. Et la prochaine fois, vos messages seront également lu. Voilà, homme de Dieu, également, nous poursuivons avec les messages. Et il y a ce message voilà, qui dit, comment faire pour vous rencontrer? Non, sincèrement, je ne connais pas comment répondre, parce que c'est un peu difficile pour le moment. Et il y a aussi, il y a le major Messi, voilà, Biwele du Sud-Ouest, qui vous envoie plusieurs salutations. Il dit de ne pas oublier ceux qui sont loin. Que pouvez-vous dire? Vous dites qu'il est d'où? Du sud-ouest, le major Messi Biwele. Oui, on va venir là-bas, ne vous en faites pas. Quand la prophétie de là-bas va se calmer, on viendra. Le sud-ouest, où il y a les problèmes, non? Oui, quand la prophétie va se calmer, on va venir. Homme de Dieu, il y en a qui envoient les messages partout, du Burkina, du Bénin, qui veulent que vous soyez leur père spirituel, leur mentor. Vous savez que les gens veulent être des enfants, des fils, et que je sois leur père spirituel, tout ça. Moi, je pense que c'est une question, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un père spirituel. Parce que les gens, quand on voit un homme de Dieu à la télé, peut-être vous êtes appelé au ministère prophétique. Et puis, il voit le prophète de Canaan à la télé, et on dit, oh, je veux opérer dans cette dimension. C'est plus que ça. C'est pas aussi simple que ça. Je veux opérer dans cette dimension. Et puis, maintenant, le jour où vous avez l'occasion même, j'ai eu un fils comme ça dans un pays. Il m'a rencontré, il m'a dit, je vais être mon fils, je dois être son père spirituel. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il a l'occasion. Et il m'a dit qu'il veut être un prophète. Un jour, j'étais assis avec lui, et pendant que je lui expliquais les mystères, les lois du ministère prophétique, il était en train de répondre à un message dans son téléphone, il bougeait la tête. Il répondait aux lois, il répondait aux messages. Et puis je me suis arrêté de parler. Quand il a fini d'envoyer son message, il m'a dit, oui père, je vous suis. Je lui ai dit, tu n'es pas prêt et tu n'es pas digne de mon manteau. Tu n'es pas digne d'être héritier. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Dans Matthieu 10, je crois que verset 41-42, Jésus dit, oh, de combien on prophète en eis onoma propheto. Miston prophète l'emsetai. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il croit au manteau prophétique que Dieu lui a donné, cette personne n'aura pas à l'héritage prophétique de ce prophète. Miston prophète l'emsetai. Miston veut dire la provision en grec. La réserve prophétique. Ça veut dire qu'il y a un compte prophétique. C'est ça qu'on appelle l'héritage prophétique. Et si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, donc le problème c'est, tu vois quelqu'un à la télévision, tu dis je vais être son fils. Si tu as l'occasion d'être à côté de lui, est-ce que tu pourras le voir en qualité de prophète? Dans les enfants, c'est que j'ai remarqué que quand quelqu'un regarde la télé, oh je veux l'onction là, je veux la grâce là. Mais dès qu'il a l'occasion de vous approcher, il méprise le don de Dieu. Et puis comment se comporter comme si vous étiez son ami, comme si... C'est pour ça que nous on est rares. Parce que le jour où je rencontrerai un vrai fils, c'est-à-dire une vraie personne qui a soif, un vrai Josué. Vous savez, Josué a été avec Moïse. La Bible n'a jamais dit quelque part que Josué a posé un problème à Moïse. Ou qu'il causait de n'importe quoi avec Moïse. Qu'il s'est mis à causer à Moïse comme son ami ou bien son égal. Non! Il ne s'est jamais séparé de l'esprit de la paternité. Il a vu Moïse comme son père. Quand il partait sur la montagne, Moïse lui disait, toi reste au milieu. Et il restait, il attendait. 30 jours, 40 jours, 40 jours sur la montagne. Josué ne rentrait pas. Il ne murmurait pas que mais le père, si, il part, il me laisse comme ça. Moi, je n'ai même pas mangé depuis quelqu'un engagé un jeune qui ne connaît même pas. Tu n'as même pas prévu. Voilà un enfant qui se retrouve en train de rester. Il n'a pas mangé, on ne lui a pas laissé un abri. On ne lui a pas donné de nourriture, ni d'eau, rien, rien. Mais il reste au milieu de la montagne, son père au sommet. Pendant 40 jours, 40 nuits, attendre son père.
Et quand son père arrive, il est soumis à son père, il descend. Il n'a jamais sorti une parole qu'il reproche son père ou bien il fait quoi. Moïse a eu des problèmes avec le peuple et tout ça. Élisée, Josué n'avait jamais ouvert sa bouche en mal. Quand ils sont allés pour l'espionnage à Jéricho, tout le monde est venu, sauf lui et Caleb. Ils ont été loyaux envers leur père dans les moments les plus difficiles. Et j'ai remarqué que dans l'Écriture, les fils de prophètes qui ont beaucoup parlé avec leur père, qui ont cherché une amitié un peu extravagante avec leur père, mais qui n'ont pas gardé l'esprit du sacré face à la paternité, n'ont pas eu l'héritage. Vous prenez par exemple Géasi. Géasi parlait tellement qu'il aimait aller rencontrer le roi. Il voulait montrer qu'il est le fils d'Élisée. Mais vous prenez Élisée avec Élie. Élisée n'avait jamais rien demandé. Or, les fils de prophètes de la génération d'Élisée avaient trop demandé. Ou la cognée est tombée dans l'eau, ou il n'y a pas de maison, ou il n'y a pas de nourriture, ou il y a ceci, ou il y a cela. Et Élisée résolvait leurs problèmes. Et Élie résolvait leurs problèmes. Mais Élisée n'avait rien demandé à Élie. Pourquoi? Le sacré dans le respect du manteau. Donc les gens veulent se familiariser avec le manteau, immédiatement ils sont disqualifiés. Donc quand quelqu'un dit on veut être le fils du prophète Khan Ferdinand, j'ai dit, et puis quand les gens me voient peut-être à la télé, ils ne connaissent pas, je suis un feu ardent, un feu dévorant. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Si quelqu'un reste à côté de moi, s'il n'est pas vrai, ou si sa conversion n'est pas vraie, radicale, il ne peut pas supporter ma présence. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on importe ou on exporte. C'est-à-dire que le manteau, d'accord, on te met ça par boîte postale, ça part par email, tu reçois un morceau du manteau, tu es devenu fils du prophète Khan Ferdinand. Ce n'est pas comme ça. Vous devez supporter le jeûne au sommet de la montagne d'abord. Ou bien les voyages sur des centaines de kilomètres à pied, comme Élisée, Élie, sans rien dire, sans régimber. Vous devez abandonner vos deux paires de bœufs. Sans régimber, devez aller dire au revoir à votre père et à votre mère et laisser votre champ ensemencer sans régimber. Donc, dire que je veux le manteau, ce n'est pas un problème, mais c'est la vie qu'il faut vivre, c'est-à-dire la conformité à la vie du sacrifice. Prêt. Donc, vous pensez que quelqu'un va servir Dieu pendant des années. Nous servons Dieu pendant des années dans le sacrifice, dans les abstinences, dans les séparations douloureuses, dans la consécration, dans la vie de Nazir. Et puis, vous sortez de on ne sait où, et vous venez vous attraper juste un morceau du manteau, et vous cisaillez ça et vous partez. Ce n'est pas ça. Il faut que les gens soient sérieux. Donc, quand les gens disent, je veux être le fils du prophète Kané, vraiment, je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils demandent. Avant de dire, je veux être comme une personne, comme telle personne, demandez plutôt à Dieu, donne-moi la capacité, Seigneur, de passer par le chemin de la croix, du sacrifice où cette personne est passée pour arriver là-bas. Mais les gens veulent prendre l'hélicoptère, ou bien s'asseoir sur les dos des chevaux pour venir arracher le manteau. Ce n'est pas ça. Et puis vous ne pouvez pas venir, par exemple, tu viens chez moi, tu dis, ok, Dieu m'a dit que vous êtes mon père, il n'y a pas de problème, je vous accueillerai. Mais vous n'allez pas venir simplement comme ça, et puis le lendemain, vous avez le manteau. Jamais. Je vous éprouverai. En beaucoup de choses. Des choses inattendues, des choses anodines. Des choses où vous ne vous attendez pas. Donc je vais aller prendre mon manteau et puis je le balance comme ça. Et lui, il voulait même partir avec. Hein. C'est parce qu'il a vu que son fils avait reçu de Dieu le don d'Arohé. C'est où il lui a donné le manteau de Nébi. Donc c'est un peu ça. Il faut que les gens s'asseyent encore pour bien réfléchir. Qu'est-ce que je veux? D'accord, homme de Dieu, mais est-ce que donner le manteau dépend d'un homme de Dieu? Parce qu'on se souvient, lorsque Élie montait, lui a dit, si tu me vois certainement monter, le Père le fera. Et vous avez dit une fois que le Seigneur qui sonde les cœurs sait qui est digne et qui ne l'est pas. Oui, bon, mais il faut comprendre que quand on dit les héritiers du manteau, là, jamais ce n'est pas Dieu qui les choisit. C'est la personne qui se qualifie. Aucun verset ne dit que Dieu avait appelé Josué. Mais par son bon comportement, il s'est constitué en héritier du manteau de Moïse. Ce n'est pas le fils biologique de Moïse qui a reçu le manteau. Parce que normalement, s'il c'était ça, c'est son fils qui allait avoir le manteau. Et les fils du souverain sacrificateur, ils n'ont pas reçu le manteau, Ophni et Phinéas.
Donc, c'est pour dire que quand on parle d'un fils et de l'héritage spirituel, c'est le comportement et le caractère du fils. Et vous remarquerez que tous ceux qui ont succédé aux hommes de Dieu, aux prophètes, dans les Saintes Écritures, étaient des fils qui étaient vraiment morts en eux-mêmes. Mais les fils que nous avons aujourd'hui, si tu trouvais un fils qui s'est trop battu, il est dans le coma en Jésus. D'autres sont juste évanouis en Jésus. D'autres sont dans, ils sont hurluberlués en Jésus. Ça veut dire qu'ils voient juste un peu les étoiles en Jésus, là après, il revient. Parce que tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas dire que je veux le manteau d'un père. Il critique le père tous les jours. Tu critiques ton père, ou tu te prends pour égal avec ton père, ou tu parles à ton père comme si tu parlais à ton égal. Un fils qui n'a pas le sacré vis-à-vis de son père n'est pas digne de son manteau. Même si le père l'avait te donné, Dieu va empêcher ça. Tu dois voir ton père comme quelqu'un de sacré pour toi. Tu dois éviter la familiarité avec ton père. Moi, quand quelqu'un commence à me dire « Papa, je veux le manteau », je parle des hommes de Dieu précisément. Et que je remarque un seul brin de familiarité, je referme la porte là vite. Parce qu'il n'est pas digne. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne le disqualifie, moi-même je le disqualifie d'abord. Parce que je suis moi-même d'abord le gardien du manteau que Dieu m'a donné. Le souverain sacrificateur, Élie n'a pas compris ça. Il n'a pas été gardien du manteau que Dieu lui a donné. Et puis, il a laissé ses enfants traîner le manteau dans la boue et Dieu l'a arraché et déraciné du sacerdoce. Donc, je pense que nous qui sommes pères, nous cherchons des héritiers. Nous cherchons des héritiers. Abraham a dit, que me donneras-tu? Je m'en vais sans héritier. Et c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier, c'est-à-dire Eliezer de Damas. Heureusement pour lui, Dieu lui a dit non. Tu auras un héritier, ta femme aura un enfant, elle te donnera un héritier. Donc nous cherchons Isaac aujourd'hui, frère. Vous avez des enfants qui n'ont aucun esprit de votre père. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun de votre esprit. Or, Élisée a fait une prière que beaucoup de jeunes qui aspirent au don de Dieu n'ont pas compris. Il dit, qu'il me soit donné, je te prie, la double proportion du Beruaka. C'est-à-dire de ton esprit, Beruaka, Ruha. Ruha, ça dit l'esprit, Akka, ton esprit, la double portion de ton esprit. Ça dit, je veux penser comme toi, je veux parler comme toi, je veux vivre comme toi, je veux servir dans la même puissance que toi. Mais vous avez les enfants aujourd'hui qui te critiquent, un enfant qui murmure. Tu lui donnes les ordres, ou bien tu prends une position, l'enfant dit à lui, il veut comme ça. Après il veut dire le manteau. Avant que Dieu te refuse, à moi, mais il te refuse d'avoir mon manteau. Parce que ça, c'est le manteau que vous voyez ici, c'est des années de souffrance. J'ai jeûné jusqu'à cracher le sang. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des problèmes pulmonaires à cause de l'excès de jeûne. Juste pour demander à Dieu l'onction prophétique. J'ai jeûné, prié jusqu'à mettre mes pieds sur le gravier, tremper mes pieds dans l'eau glacée. Parce que je voulais faire les nuits de prière. Je ne peux pas compter combien de nuits de prière j'ai faites seul. Je me mets à genoux à 19h. Et puis je me lève à 6 heures sans sommeiller une seule seconde, criant vers l'Éternel, pleurant devant le Dieu des cieux. Parfois on faisait la nuit de prière, on finit la nuit de prière, je continue la nuit de prière jusqu'au lendemain. Parce que je voulais que Dieu me distingue dans ma génération. Je rentre de l'école, je ne vais pas directement à la maison, je vais à l'église. Je prie jusqu'à ce que mes genoux noircissent. Juste parce que je veux l'onction, la grâce de Dieu. Quelqu'un sort de nulle part, il vient même, tu lui donnes le manteau même d'abord, il ne déchire pas. Ce qu'il appelle manteau. Moi-même, j'ai le manteau. Quel manteau? Tu regardes même là-bas, là, c'est même le débardeur qu'il a. Un faux débardeur, mais en plus, sans étiquette. Donc, il faut que les gens comprennent. Quand tu demandes l'héritage d'un homme de Dieu, moi, il y a des hommes de Dieu qui sont mes modèles. Vous ne pouvez pas imaginer, je disais à un de mes fils, à mes fils, hier, quand je leur parlais des principes du ministère prophétique, les lois du ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, on va revenir sur cela, a des lois. Comme la vie chrétienne a des lois. Comme dans chaque domaine de nos vies, il y a des lois. Donc, je leur ai expliqué. Ces lois, nous les avons apprises pendant des années. Dans des marches avec Dieu. Des nuits sans sommeil avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que restez sans manger, pas parce que vous jeûnez. Mais parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Vous avez posé une question, vous attendez la réponse. C'est un manteau qui a vieilli. C'est un manteau qui a des rides. Qui a des signes de vieillesse. Parce que ce manteau est lourd et alourdi par des années de jeûne et de prière.
Et quelqu'un vient, il prend un crochet, il veut décrocheter le manteau pour fuir avec. Ce n'est pas possible. On ne vole pas l'héritage spirituel. D'accord, homme de Dieu. Et il y a plusieurs hommes de Dieu, voilà, que ce soit du côté de l'Angola, la Gambie, le Bénin, le Burkina et d'autres pays qui également demandent, qui veulent se connecter à vous. Et demandent aussi quand est-ce que vous irez dans leur pays. Dès que Dieu nous ouvrira les portes, on va venir. D'accord. Et il y a aussi, justement, on en parlait tout à l'heure, certains veulent être comme vous. Ils se demandent comment faire. Mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Homme de Dieu, il y en a qui vous apprécient beaucoup. Mais il faut également souligner que beaucoup vous critiquent, même parmi vos compères. Qu'est-ce que vous avez à répondre de cela? Ils critiquent quoi d'abord? Ils disent quoi? Ça veut dire qu'ils critiquent parfois tout ce que vous faites. Et même déjà, en ce qui concerne lui-là, on en a parlé, votre façon d'agir, de prophétiser. Ils se disent, vous prophétisez, vous voyez même les choses, vous dites les choses qu'il ne faut même pas dire, parfois pour semer la zizanie dans les foyers. Comme quoi, qu'il ne faut pas dire. Par exemple, vous pouvez dire à une personne, peut-être c'est ton oncle ou c'est ton mari ou bien c'est ta soeur qui a fait que tu sois malade. Des choses peut-être qu'on n'est pas obligé de dire. Et quoi encore? Bref, dans l'ensemble, c'est ce que j'ai pu répéter dans le message. Oui, bon, maintenant, je pense que moi, vraiment, je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Si, comme c'est les hommes de Dieu, eux, ils peuvent rectifier ça dans leur façon de faire. Je crois que c'est simple. Parce que si quelqu'un soulève un seau de 30 kilos, et tu lui dis qu'il soulève mal, que ce n'est pas comme ça qu'on tient, et toi, tu ne soulèves pas 20 kilos, c'est qu'il faut d'abord chercher à soulever tes 20 kilos pour arriver maintenant à 30 kilos. Et on va voir comment faire. Donc je pense que quand les gens arriveront dans cette dimension, ils comprendront mieux pourquoi nous agissons parfois ainsi. Notre rôle, ce n'est pas d'apporter la zizanie ou bien quoi. Jésus a vu une femme. Et il a dit à la femme, va appeler ton mari. Et la femme a dit que je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit que tu as raison. Parce que tu as eu cinq maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Mais quand Jésus dit tu as eu cinq maris, ça veut dire que celui avec qui tu es maintenant, c'est le cinquième mari. Et Jésus n'a pas dit concubin. Il n'a pas dit que tu as eu cinq copains. Il dit cinq maris. Donc Jésus reconnaît qu'elle a été mariée. Mais elle a été mariée aux mauvaises personnes. Et Jésus dit à la dame que même ton mari présent, si Jésus l'appelle son mari, c'est-à-dire que le monsieur a fait ce qui devrait être fait. Même ton mari présent, en vérité, ce n'est pas lui ton vrai mari. Bon, si quelqu'un va dire que c'est monté ou c'est descendu, nous, sincèrement, il faut qu'on nous laisse servir Jésus. Et homme de Dieu, il faut dire que parmi ceux-là, c'est vrai, il y en a qui sont aussi prophètes. Donc, comme vous. C'est ça qu'il dit que eux, maintenant, s'ils prophétisent, il ne faut pas qu'ils disent comme Jésus. Qu'ils ne disent pas à la femme samaritaine que l'homme que tu as épousé n'est pas ton mari. C'est ça, non? C'est même pas quelque chose qu'on doit même lutter pour ça. Si tu prophétises aussi, tu changes et puis ça va. C'est comme ça. Et si Dieu vous disait que Dieu vous montre la personne sur et Dieu vous dit, dites-lui que son patron veut la vendre dans la sorcellerie. Et j'ai l'habitude de dire à l'église que si tu es enfant de Dieu, Jésus a dit, il n'y a rien de secret qui ne doit être caché, ni de caché, il n'y a rien de secret qui ne doit être connu, ni de caché qui ne doit être mis à découvert. Maintenant, vous, par exemple, vous avez un enfant qui est sorcier, vous ne savez pas. C'est un exemple. Non, pas vous, quelqu'un d'autre a un enfant sorcier. Et puis, le Seigneur Jésus me révèle qu'il y a un enfant sorcier dans la maison de la femme. C'est ça son problème. En quoi ai-je péché en disant, en révélant ce que les autres n'ont pas pu voir? Maintenant, j'ai l'habitude de dire à l'église que si on te dit que ton enfant est sorcier, c'est facile. Mais si on te dit que ton enfant qui est sorcier là s'appelle Marinette et que je ne te connais pas, on ne s'est jamais croisé, on n'a jamais causé, tu comprendras que Dieu est en train de te parler. Mais si on te dit que tu as un enfant sorcier, sans pouvoir te donner des preuves que Dieu connaît cet enfant,
Là, il y a un problème. Donc, il faut que les gens comprennent. Quand l'Esprit de Dieu veut dénoncer le mal, la Bible dit que le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. L'un des rôles de la prophétie, c'est d'avertir sur les choses cachées. Et de nous mettre en éveil par rapport au danger. Parce qu'il y a des personnes maléfiques autour de nous. Il y a des personnes mal intentionnées. Bon, imaginons-nous que je vois, par exemple, que votre mari, comme dernièrement à Douala, il y a une femme, c'est hier ou avant-hier, qui a empoisonné son mari. Qu'elle vienne au culte. Son mari vient au culte. Et que Dieu me dise, dis à cet homme que sa femme va l'empoisonner mercredi à 12h. Vous pensez que je veux dire quoi? Je dirais au monsieur, mercredi à 12h, ne mangez pas la nourriture de votre femme, parce qu'elle va vous empoisonner. Je dénonce ça pourquoi? Parce qu'elle est méchante. La Bible dit point de paix pour le méchant. Donc on vous dit à midi, maintenant, lorsque midi arrivera mercredi, c'est à vous de prendre la nourriture là, aller donner ça au chien par exemple, pour vérifier si le prophète avait dit vrai. À partir de là, vous saurez s'il faut parler à votre femme, si le prophète est vrai, lui donner raison, ou bien si c'est votre. Vous pensez que nous allons venir hypothéquer nos vies comme ça, ou tous nos ministères à l'église, venir dire que oh, tel est comme ça, tel est. Non, pardon. Dieu dit à Jérémie, tu diras tout ce que je te dirai de dire. Et si tu oses trembler, je te ferai trembler encore plus. Mais je rendrai ton front plus dur que leur front. Nous sommes dans une saison où le sort a été jeté et la contestation va s'arrêter. Donc, il faut que les gens comprennent comme ça. Oui, homme de Dieu, pour finir, il y en a qui ont des sujets de prière, en fait, qui veulent la prière. Mais déjà, il y en a qui soupirent après votre toucher. Mon toucher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez leur imposer les mains. Mais je veux faire comment pour imposer les mains à tout le monde. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, ils n'ont pas vu et ils ont cru. Eux, ils sont heureux. Donc, les gens doivent croire sans me voir physiquement et ils seront heureux. Les gens doivent croire sans que je les touche et ils seront heureux. Parce que la Bible dit dans Somme 16, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole de Jésus qui guérit. Donc, je vais toucher les gens. Je vais faire comment? On a tellement des gens sous notre charge. Vous regardez seulement les réunions, les églises de Yaoundé que je n'arrive pas à visiter totalement. Nous sommes engagés. J'ai fait un vœu à Dieu. Depuis que Dieu a béni ma maison avec notre petite princesse Jemima, j'ai dit à Dieu que je ne m'arrêterai pas jusqu'à ma mort de créer des églises, d'évangéliser, d'aller dans les coins les plus reculés pour prêcher Christ. Donc, ça veut dire que j'ai un contrat avec Dieu que je suis en train de me forcer à remplir. On a l'église de Garoua qu'on est en train d'ouvrir. Après ça, on doit aller à Bertois. On doit ouvrir Bertois, Bafoucham et partout. Et je pleure devant Dieu pour que ce soit cette année-ci. Donc, c'est un peu ça. Désolé, vraiment, je m'excuse pour tous ceux qui voulaient que je les touche et que je n'ai pas pu toucher. Voilà, mais homme de Dieu, il y en a qui veulent aussi que vous priez pour eux à distance. Est-ce que c'est possible que vous profitiez du cadre de cette émission pour prier de façon générale? Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui attendent la prière, que ta grâce soit dans leur vie, que leur désir devant toi, selon toi, soit exaucé, que leur situation soit résolue. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de cette émission? Non, je n'ai pas de dernier mot. D'accord, voilà, chers téléspectateurs de Zoé Channel, nous sommes donc parvenus au thème de cette émission Entretien. Vous avez vu le numéro qui s'affiche sur votre écran. Envoyez-nous également vos SMS, même par WhatsApp également. Nous profiterons d'une émission la prochaine fois, voilà, pour répondre donc à vos préoccupations. Soyez bénis, restez sur la meilleure des fréquences, Zoé Channel.